Alhamdoulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu sayyidul awwalin wal akhirin Allahumma salli 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Mes chers frères et sœurs, notre Seigneur Azza wa Jal dit dans le Coran: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu biqawmin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. En vérité, Allah nous dit Azza wa Jal, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qu'est en eux-mêmes. On comprend de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliorera notre situation lorsque nous-mêmes, on aura fait l'effort de quoi? De nous améliorer dans notre relation envers lui Azza wa Jal. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce verset est une clé. Une clé qui nous permet de comprendre comment est-ce que nous, musulmans, doivent se comporter avec notre Seigneur Azza wa Jal pour avoir son soutien, pour améliorer la situation de la communauté musulmane. Il n'y a rien sans rien. Vous le voyez ici, Allah Tabarak wa Ta'ala ne change l'état d'un peuple que lorsqu'ils se changent eux-mêmes. On est nombreux à nous plaindre de pauvreté, on se plaint d'un manque de risque. On entend des gens dire « Moi, dommage, j'ai pas ça, j'arrive pas à avoir ça, etc. » On se plaint également de la situation de la communauté musulmane, comment est-ce qu'elle est vue, comment elle est stigmatisée, comment elle est pointée du doigt. On se plaint de pas mal de choses. Et Allah Tabarak wa Ta'ala ne corrigera l'état de la communauté que lorsque chacun d'entre nous, c'est donc un effort ici individuel comme vous avez pu le comprendre, chacun d'entre nous, lorsqu'on aura fait un effort comme il le faut sur nous-mêmes, Allah Tabarak wa Ta'ala nous apportera son soutien. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Il y a des gens qui basculent d'un très mauvais état spirituel et par la grâce d'Allah, ils deviennent des gens pieux. Et on a l'inverse. On a l'inverse. Et ici le verset, il nous dit, en vérité, Allah ne modifie point. Ici le verset nous dit, en effet, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Et ça, c'est valable pour les deux sens, de la piété à l'impiété et de l'impiété à la piété. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous dit, فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Tu suis le dîn d'Allah, tu ne seras pas égaré et tu ne seras pas malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel, regardez Allah, il nous dit quoi? Celui qui va se détourner maintenant de la religion. Il ne veut pas ce mode de vie, il veut autre chose qu'on lui a proposé dans les réseaux sociaux, il en a été séduit, ça lui plaît. Quiconque nous dit Allah se détourne de mon rappel, tu te détournes de l'islam, tu veux plus ce mode de vie, mènera certes une vie pleine de gêne. Qui parle? C'est notre maître Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, que nous adorons, notre créateur. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous le dit, c'est dans le Coran, et on sait que tout ce que nous dit Allah Tabarak wa Ta'ala est véridique. Allah Azza wa Jal nous dit que si on s'écarte du chemin du din, on mènera une vie pleine de gêne. Possible que certains parmi vous se disent « Mais moi, je ne vois pas la gêne dans la vie d'un tel. Il s'affiche dans les réseaux sociaux, il a l'air plutôt bien. » Ouais, ça c'est l'apparence. Ça c'est ce qu'il laisse montrer. Mais en coulisses, c'est ça. Il vit cette vie pleine de gêne. Pourquoi? Il s'est écarté du livre d'Allah. Il s'est écarté du chemin de la droiture. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Allahu Akbar. C'est donc une loi divine. C'est donc une loi divine. Toi qui veux une vie paisible, une vie pleine de sécurité, une vie satisfaisante, toi qui veux vivre une vie stable, tu dois revoir ton cœur. Revois l'état de ton cœur. Revois ta relation avec Allah. Revois où t'en es avec les khamas salawat, les 5 prières, le fajr. Revois où t'en es avec l'argent. L'argent que tu gagnes, c'est de l'argent halal ou de l'argent haram? Et toi qui te reconnais quand je dis l'argent haram, tu ne dis pas qu'un jour tu auras des comptes à rendre? Et tu sais très bien que le jour du jugement, celui qui fait un atome de bien, il le verra. Celui qui fait un atome de mal, il le verra. Tu ne pourras rien couvrir le jour du jugement de tes fautes, de tes péchés. Donc repends-toi. Alhamdoulilah, tu es encore en vie. La porte du pardon et de la miséricorde d'Allah est immense. Peu importe les péchés que tu as fait, reviens vers Allah. Donc, il faut impérativement qu'on revoie notre relation avec Allah, Tabarak wa Ta'ala. Il faut que notre premier objectif soit de satisfaire notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Je le dis, je le répète, si on veut voir l'état de la communauté musulmane à l'échelle nationale ou internationale dans un meilleur état, ça commence par toi et moi. Ça, faut bien comprendre ça. Et ça, je voulais citer le verset. J'ai commencé par ça. C'est dans le Coran. Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah Ta'ala, il dit telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. La loi d'Allah, c'est, je le dis, je le répète, tu veux que les choses changent, change. Parce qu'on est souvent là à attendre un Superman. Il faut se dire la vérité. Ah, la communauté, elle va mal, la communauté, elle va mal. Quand est-ce qu'il va y avoir un sauveur? Comprends que ça commence par toi. Toi et moi. On les voit, les gens, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Mais quel est ton principal souci? Cette vie d'ici-bas ou l'au-delà? Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire « Celui dont ce bas monde est son principal souci ». Écoutez bien, s'il vous plaît. Hein. Celui dont ce bas monde, dunya, est son principal souci. Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. C'est-à-dire quoi? Quoi qu'il ait, il ne sera jamais satisfait. Il a, mashallah, des terrains, des maisons, il a de l'argent. Il n'est pas satisfait. Allah Ta'ala, il mettra la pauvreté entre ses yeux. C'est-à-dire quoi? Il ne sera jamais satisfait. Il en voudra toujours plus. Il sentira qu'il n'est toujours pas dans la situation dont il rêve à atteindre. Il sentira qu'il n'a pas encore atteint l'objectif voulu. Il ne sera jamais rassasié. Et quelqu'un qui court derrière la dunya, derrière la vie d'ici-bas, il n'est jamais rassasié. Je parle ici de qui? De celui qui a, écoutez attentivement, mes propos sont bien clairs, celui qui a comme principal souci dans sa vie, la dunya, le bas monde. Par contre, avoir le souci de la dunya pour remplir le frigo, nourrir sa famille, mais ça c'est normal, mais ça ne doit pas être ton principal souci. Comprenez bien la nuance s'il vous plaît, barakallahu fikum. Celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux, et il n'aura de ce monde que ce qu'Allah lui a déjà décidé. Tu n'auras finalement que ce qu'Allah t'a décrété d'avoir. Et celui dont l'au-delà est son principal souci, s'il vous plaît, Allah ibarik fikum, méditez sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui dont l'au-delà est son principal souci, Allah mettra la richesse dans son cœur. Et c'est celle-là la vraie richesse. Celle de l'qana'a, d'être satisfait de ce qu'Allah t'a accordé. Tu seras quoi? Riche du cœur. Comment? En apprenant à dire Alhamdulillah, je suis mieux qu'un tel, en te comparant à qui? À celui qui est en dessous de toi. Ça, c'est le comportement du musulman. Dans la dunya, tu te compares à ceux qui sont en dessous de toi. Ceux qui ne trouvent pas d'eau potable à boire, ceux qui n'ont pas de logement, ceux qui se sont fait bombarder dans les pays de guerre, etc. Tu te compares toujours à celui qui est en dessous de toi. Mais par contre, au niveau de la religion, tu dois toujours regarder ceux qui sont au-dessus de toi. Pourquoi? Pourquoi tu ne viens pas à la mosquée comme un tel? Pourquoi tu ne connais pas des sourates de Coran comme un tel, que tu connais, qui est dans tes contacts? Pourquoi tu touches au haram alors qu'autour de toi, tu as des gens, même des fois proches, ou ta famille, qui ne sont pas dans ce monde? Écoutez bien, et ici il nous dit, celui dont l'au-delà est son principal souci, Allah mettra la richesse dans son cœur et l'ici-bas viendra à lui malgré lui, rapporté par Ibn Majah. Alors soyez très attentifs s'il vous plaît, quand tu cours vers l'au-delà, le bas monde, il te court après. Quand tu cours vers l'au-delà, c'est-à-dire toi, ton plus grand souhait, c'est Ridallah, la satisfaction d'Allah. Ça, c'est ton objectif numéro un dans ta vie. Sache que ce bas monde va te courir après. Tu voulais te marier? Sans faire beaucoup d'efforts, ça va arriver très facilement. Tu voulais un job? Tu voulais travailler? Ça va venir. Tu voulais un foyer? Alhamdoulillahi, tu as un logement. Il y en a, ils ont attendu 10-15 ans, toi, grâce à Allah, 2-3 mois, ça a été plié. Pourquoi? Parce que tu as l'aide et le soutien d'Allah. Parce que ce bas monde, tu n'en as pas fait ton principal souci. Mais moi, j'aimerais, s'il vous plaît, barakallahu fikoum, que chacun d'entre vous se pose la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en pratique ce qu'on écoute? Pourquoi? Est-ce qu'on a un doute sur la parole d'Allah? Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui écoute ce prêche et il doute sur les paroles du prophète alayhi salatu wassalam? Normalement, non, sinon tu ne serais pas là. N'est-ce pas? Mais comment ça se fait que jusqu'à maintenant, on court comme des malades derrière l'ici-bas et l'au-delà, on marche doucement, voire on est assis. On attend que ça se passe. Et tu parles avec lui, dis, Inch'Allah, Rabbi, dis, un jour, Allah me guidera. Il attend que la guidée, elle tombe du ciel sans cause. Donc, comprends bien que finalement, subhanallah, si tu cours vers l'au-delà, l'ici-bas, c'est lui qui va courir derrière toi. Tu auras des facilités pour avoir tout ce que tu veux de la vie d'ici-bas. Donc, apprends à être intelligent. Cours vers quoi? Vers l'au-delà plutôt. Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. C'est en effet Allah, c'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Vous voyez? Et Allah est audient et omniscient. Mes chers frères, mes chères sœurs, lorsque la foi pénètre le cœur et que tu fais du Coran le guide de ta vie, alhamdoulilah, tu vois avec clairvoyance. Quand ce n'est pas le cas, sache que tu es dans une pièce sombre. Une pièce sombre où tu ne vois pas grand-chose. Allah Ta'ala, il dit sur le Coran, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Allahu Akbar. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons, ils ont vécu des moments très très difficiles et Allah Tabarak wa Ta'ala a changé cet état de faiblesse encore en un état de force. Allah Tabarak wa Ta'ala les a soutenus. Par quoi? La foi. Par le fait qu'ils ont pratiqué la religion d'Allah. Par le fait qu'ils ont adoré Allah comme il le faut. Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit dans le Coran, وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَيَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons, ils étaient dans un état de faiblesse. Il y a eu, comme vous le savez, la période mécoise, puis la période médinoise, puis après le califat d'Abu Bakr, le califat d'Omar, le califat d'Othman. Regardez, après le califat d'Omar al-Khattab, comment les musulmans étaient. Cette stabilité, ils l'ont eue par la foi en Allah Tabarak wa Ta'ala, par le fait qu'ils ont cru en Allah Azza wa Jal, qu'ils ont mis en pratique son dîn. Sinon, on veut le soutien d'Allah, sinon on veut un changement dans notre communauté, il faut qu'on s'améliore. Il faut qu'on s'améliore, il ne faut pas se voiler la face. Allah Tabarak wa Ta'ala change l'état de pauvreté à l'état de richesse lorsque la personne le craint. Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Il réalise toujours son ordre. Allah a décrété toutes choses avec mesure. L'imam Ahmad, rahimallah, Thalmidi ibn Majah et d'autres ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique. D'après Omar al-Khattab, le prophète a dit: si vous placez votre confiance en Allah comme il le veut véritablement, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et ils retournent le soir le ventre plein. Allah Tabarak wa Ta'ala donne à ses serviteurs, et lorsqu'ils sont reconnaissants, il leur rajoute. Allah Tabarak wa Ta'ala rajoute de ses bienfaits à ses serviteurs lorsqu'ils sont reconnaissants. Et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Subhanallah. Également, Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, la foi, la piété, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Et parmi les choses qui préserve les bienfaits, il y a le fait de donner de ce qu'Allah nous a donné. Allah, il t'a donné des biens, tasaddaq, donne des aumônes. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit: il n'est pas un jour où les serviteurs arrivent au matin sans que deux anges ne descendent des cieux. L'un d'entre eux dit: oh Allah, accorde compensation à la personne qui dépense. Et l'autre dit: oh Allah, accorde ruine à la personne avare, rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim. Je le dis et je le répète, les paroles d'Allah Tabarak wa Ta'ala sont véridiques. Les paroles du prophète alayhi salatu wassalam sont véridiques. Qu'attendons-nous pour mettre en pratique le din d'Allah et revenir vers lui? Allah Ta'ala dit: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? C'est avec la foi et les bonnes actions qu'Allah Tabarak wa Ta'ala améliorera notre situation. Allah Tabarak wa Ta'ala fera également sortir de nos rangs des guides, des gens qui tireront les autres vers le haut, vers le chemin du bien. Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons désigné parmi eux des guides qui dirigeaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Cheikh l'Islam ibn Taymiyya rahimahullah a dit, en commentant ce verset: avec la patience et la certitude, on obtient l'imam fi din, l'imam dans la religion. C'est-à-dire quoi l'imam? C'est-à-dire on devient un guide, un leader si vous voulez, un leader dans la religion, avec la patience et la certitude. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous demande de constamment rappeler aux croyants, car le rappel profite aux croyants. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous dit: fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Mes chers frères, mes chères sœurs, on veut tous une amélioration de la situation de la Ummah. Je le dis, je le répète, la Ummah, sa situation ne s'améliorera que lorsque chacun d'entre nous se prendra en main sérieusement. Sérieusement. Tous, on a nos défauts. Tous, moi compris. On a tous des péchés qu'on connaît très bien de nous-mêmes. À nous de faire le nécessaire pour les corriger. À nous de faire le nécessaire pour revenir vers Allah et accomplir les obligations, de nous écarter des interdits, afin qu'Allah Tabarak wa Ta'ala améliore notre situation et nous soutienne. Allah Ta'ala, il nous dit: وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Donc personne ne pourra te nuire. Sois-en sûr. Allah Ta'ala, il dit: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui donne la vraie vie? L'islam, le Coran. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne qui recherche le bonheur, la vie paisible, la stabilité, l'esprit tranquille, doit se réconcilier avec son Seigneur Azza wa Jal, doit multiplier les invocations, doit s'attacher fermement au livre d'Allah Tabarak wa Ta'ala, et surtout de préserver l'union de la communauté musulmane, de suivre le modèle qui a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est notre modèle. Allah Ta'ala il dit, c'est avec ça qu'on termine, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Regarde bien, pour avoir une vie paisible, qu'est-ce qu'il te faut? Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, donc faire des bonnes actions, tout en étant croyant. Donc la foi en Allah, l'iman, wal-amal salih, la foi en Allah et les bonnes actions. Nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Craignons donc Allah Tabarak wa Ta'ala en public et en secret. Faisons le nécessaire pour être sérieux dans notre pratique religieuse. Gardez en tête que ce qui compte, c'est la satisfaction d'Allah, qu'après la mort, on n'emporte que nos actions. Ton argent, tu laisses ici-bas. Tes constructions, tes maisons, tes investissements, tu les laisses ici-bas. Ta belle voiture qui t'aimait tant, tu la laisses ici-bas. Et tu prends avec toi que un seul bagage, où il y a les bonnes et les mauvaises actions. Et c'est ça qui reste dans ta tombe. Et c'est ce qui te suivra dans ce voyage de l'âme après la mort, jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur et qu'on le rencontre tous et qui nous juge. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala d'améliorer notre situation. J'implore Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah Azza wa Jal d'améliorer notre situation. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, la piété, la véracité dans les propos et dans les actions. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de nous accorder la clairvoyance, de voir clair avec la lumière du dîn.